Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous présenter une nouveauté de notre catalogue CIMAC. Il s'agit du KR-103 de la marque Kalachnikov USA. Kalachnikov USA est l'importateur officiel des produits Kalachnikov pour le marché américain. En 2014, suite aux sanctions contre la Russie lors de l'invasion de la Crimée, l'importateur a dû trouver une solution pour continuer à fournir des Kalachnikov sur le marché. De ce fait, ils ont décidé de se lancer dans la production de Kalachnikov Made in USA et c'est justement un de ces modèles que je vais vous présenter aujourd'hui, le KR-103. Il est entièrement fabriqué avec des pièces et de la main-d'œuvre américaine et le siège social de l'entreprise se situe à Pompano Beach, en Floride. Donc voici le KR-103. Le chargeur est vide. Pas de carton dans la chambre. L'arme est en sécurité. Donc, le KR-103 est tout simplement la copie américaine de l'AK-103 qui est lui-même une version modernisée de l'AK-74M, célèbre fusil d'assaut encore en dotation aujourd'hui dans l'armée rouge. Tout comme son homologue russe, sur ce modèle entièrement américain, on va retrouver une carcasse en tôle emboutie sur laquelle on va avoir donc le levier de sécurité. Position haute, la sécurité est enclenchée. Position basse, on peut tirer. On va retrouver une crosse en polyamide et fibres de verre, une crosse fixe qui va donc monter la longueur de l'arme à 94 cm. La fameuse poignée pistolet. Au niveau des organes de visée, on va avoir la hausse à curseur réglable et le guidon qui est réglable et qui lui est monté sur basse filetée. Le canon est en acier forgé à froid et chromé. Il est au pas de rayure d'un tour sur 10 pouces, c'est également un pas de rayure assez courant dans les armes chambrant 7,62 par 39 mm. Et le canon est muni d'un frein de bouche pour réduire le recul. Au niveau de la carcasse, on va retrouver également un rail tactique. Alors c'est les latéraux et sur les deux côtés de l'arme, donc pour l'ajout d'accessoires. Son fonctionnement est à empreinte gaz, donc tout comme le modèle d'origine. Et on va retrouver également son chargeur courbé. Donc chargeur de 30 coups. Et voilà. Après cette courte présentation, on va maintenant passer au stand de tir pour l'essai de l'arme. A tout de suite. Nous voilà sur le pas de tir pour l'essai de la KR-103. Donc pour le test de tir, on va utiliser des chargeurs de 10 coups. Mais l'arme est livrée également en chargeur de 30 coups, donc catégorie A, et 10 coups en catégorie B. Pour les besoins de la démonstration, on va utiliser des cartouches STV avec des projectiles de 124 grammes chemisés. Alors, le tir est plutôt confortable. On a un recul assez doux grâce au frein de bouche au niveau du canon. Pas d'arrêtoire de culasse, donc la culasse reste fermée à la fin du chargeur. Et autrement, l'arme est assez ergonomique pour le tir. Donc l'essai de tir s'est très bien déroulé. On retrouve bien les 5 impacts sur la cible, dont 3 dans le visuel. Et également 3 retours de fragments de projectiles sur la cible. Donc comme on peut le constater, les douilles sont très légèrement marquées. Alors c'est un phénomène qu'on retrouve assez souvent sur les Kalachnikov, hein, donc c'est tout à fait normal. Et comme je le disais tout à l'heure, donc l'arme est équipée d'un frein de bouche sur le canon qui diminue fortement le recul et on a l'impression de tirer avec du 5,56. Après cet essai au stand de tir, on peut conclure que l'arme est une très bonne copie, la fabrication est de qualité.
Aucune amélioration n'a été apportée par rapport à l'arme d'origine, mais en tout cas, le modèle ici présent est un très bon équivalent. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour être tenu au courant des prochains contenus qui arriveront sur notre chaîne.